Ne touche pas, Zidia. Ne le touche pas. Ne touche pas, Zidia. Ce n'est pas une question de maison. Les gens parlent de maison. Ce n'est pas ça. Mais l'essentiel est là. Ils sont là à nous détourner sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Ils sont là pour organiser des élections. Ça fait 6 mois, rien ne fait. Aucune visibilité. Où nous en sommes? Ils n'ont pas à nous faire les situations réelles qui sont l'organisation des élections ou la mise en place d'un cadre de dialogue. D'abord, la mise en place d'un cadre de dialogue. Mais le penchant est mis à l'écart. Les partis politiques sont mis à l'écart. Ceux qui sont censés demain pour diriger ce pays sont mis à l'écart. C'est des petits, des clans, je vais dire des clans, des personnes qui ne sont pas connues, qui sont là à diriger le pays. Il y a d'autres même qui sont dans l'ombre, on ne les connaît pas. Il faudrait qu'on nous fasse maintenant un calendrier pour l'organisation des élections. Si cela n'est pas fait, ce que la loi nous recommande, ce n'est rien d'autre. C'est la manifestation. Nous allons pousser ces gens-là pour qu'ils fassent des élections. Nous devons bien comprendre ce que nous voulons leur donner comme message. Après, si vous le voulez, comme à l'accoutumée, on peut procéder à des interviews pour préciser des idées qui n'ont pas été bien comprises. Voilà. Ma ordre du jour à Tadeki. Ainsi que, pour nous, pour le gouvernement, les pays de l'Etadeki, à nous, les pays de l'Etadeki, à nous, on a fait la règle du jour. Pour nous, on a fait une information générale. On a fait la règle. Dans le dernier, on a fait la règle. Dans le dernier, on a fait la règle. On a fait la règle. Avant bien, avant de dire, Je ne sais pas si vous avez un problème. On va passer à l'Assemblée de la Randangui. On a tourné le président Namba à l'Assemblée de la Randangui. Nous avons dit que avoir un rôle ça, avoir un wali, un wali n'a pas d'abord. Avoir un colo, il était parti dans la position de lui, ça va pas me faire comme Godé. D'accord, on a mené tout le monde, on a raté. Dans l'information générale de Kouy, même dans l'information générale rapide, quand il y a un micro sur le volet,
à information générale. Iyama, à information de l'État, et pendant l'information, il va pas, alors qu'on va nous dire à l'église. Paris, il est dans le bon moment, il est dans le bon moment. Il a un bon moment. Je ne sais pas si vous avez un problème. Il va revenir.
Non, ma soeur, il a 250 000 francs.
À l'époque, 33 450 dollars, ça faisait 30 millions à l'époque. Et. Non. Président, on va faire un verre de après le fin de la vie, on va voir ma fille n'y a chaud. Et le président de la République, où tu m'as quitté? Et le nom à chef de l'État, où tu m'as quitté? Parce que bébé, on va venir à chaud. Il a un chef de l'État, il a un qui? Il a un nom. Je ne sais pas si tu es là. Ne fait one man na fait qui na fait qui ne nana état qui ne fonctionne ni nana et nana ma wonara ma manga sangi de wonara ma manga sangi na manga sangi na fait état na ka fait président de la république a kima atana na ne kuira wotu na kide atana na ne kuira nana toboy. On a tout, il est vraiment le président de la République, chef de l'État. On a fait ça. Et après le président de la République, là, on a dit qu'il y a une guerre. Chef de l'État, il y a des femmes, 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 il y a des femmes. Kami, jadi mukawan dengan dalam mukawan ini, kami nak mengasah ini. Dengan dalam mukawan, wae mana kan dua orang ada rakan dia, kami nak mengasah ini. Fungsinya apa? Wae mana dengan dia di sana mereka sekretari, apa fungsinya? Ibu ini pasti apa nak berikan shop beli tangan. Umar nama apa? Direktori jadi nana kobi, atau nana shop beli tangan. Atana ministre nomema alika ministre nomade ministre bandirakya re nomé ministre directeur de nomade directeur e ban na chef de division nomé chef de section arrêté là obara me ye fanda wa de bori tumbo donc adomo na kiné nanana ki a chef de l'état tamara kedi na ban sien na kedi na tamana ki kedi dil na bobo ki. Quand on a été dit une racine, on a été dit une racine, on a été dit, et ma kiki,
et m'a quitté. Il chef de l'État, qui m'a dit, il a quel qui m'a dit, il a quel qui m'a dit, il m'a dit, il chef de l'État. Dans la procédure, dans la vie, on s'en fout. On m'a fait un rien fou. Ayo, rien fou. Rien fou, on a fait. Par chef de l'État, à la signature, va faire dans la vie, à mon maman. C'est à maman. C'est tout le chef de l'État, à signature, à maman. Dans la vie, et vous dames, mairie, il est en train de se faire. Nabai, vous avez dit, il a même, c'est un abri de mon colombe, on a tout. Comme il est de la paix de la femme. Car, vous avez dit, il a dit, Il y a un peu de temps. Donc, Je ne sais pas si tu es un journaliste. Et comme le bébé, pourquoi pas la vie? Ne vous l'aimant, et la maman que les
Abogi nakan sarabi, rezna sidi atamba. Anasarabne, alillahi, wa rasulati, akina kiyama. Arabakana kine. Akina kina rafwen, tono, teno akina nantwara, nakan falamo gobe. On passe à quartier et puis on a yaba yaba kima. Parce qu'à Dégué Nana et Bramane, Simbir Sarato et Bramane Pinet, on passe à yaba, on a yaba au Béki, à Dengue et Kinet. À Dengue et Kinet, c'est un point, c'est ce que nous avons à caméra. À nous, on a un point, on a un internet, Facebook, on Nana. Quel est le nana? Vive l'IFR! Avant que le président Sidy Touré ne fasse de la politique ou qu'il soit premier ministre de cette République, son utilité sociale était déjà avérée. Quand il est rentré dans ce pays avec les moyens qu'il a pu mobiliser à l'international, avec les amis et les réseaux qu'il avait dans le monde des affaires, il les a fait venir en Guinée pour aider notre pays qui était totalement déliquescent. Il a investi dans le secteur de l'éducation. Il ne connaît pas les écoles Victor Hugo. Beaucoup de cadres ont travaillé, ont étudié là-bas. Il avait bien vu, effectivement, qu'une des faiblesses de notre pays était liée à l'éducation. Il s'est investi dans l'éducation. Il s'est investi dans l'agriculture, parce qu'il sait aussi que le seul ou le meilleur moyen de combattre la pauvreté, c'est en investissant sur le paysanat, enrichir les paysans, enrichir le monde rural. Il a investi dans ce secteur, dans son village, en étant jusqu'aujourd'hui le premier planteur de la République de Guinée. Ce temps après a été identifié par le président Fontier parce qu'il a vu à l'œuvre. Quand Fontier, je crois, aller au village, il passait devant ses plantations et il s'intéressait à savoir qui a fait ça. C'est comme ça que le président Sidy Touré, le président Nansana Fontier l'a identifié pour venir l'aider. Parce que n'oubliez pas, le pays était en crise en 1996. Il y a même eu une mutinerie. On l'a bombardé le palais présidentiel. Les gens oublient, ils oublient tout ça. Et on était dans le trou. C'est ça la réalité. Le président Sidy Touré arrive en 1996, il se met à la disposition de son pays, il apporte son expérience, il apporte son expertise, il fait les réformes nécessaires et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un meilleur bilan depuis qu'il a gagné et gagné. C'est une vraie réalité, ce sont des faits. Une fois qu'il a amorcé le processus, mais comme d'habitude, à Guinée, on n'aime pas les valeurs, on n'aime pas les gens qui travaillent. On a commencé à le mélanger avec le président Nansana Fonté, qui malheureusement est tombé dans le piège de ces prédateurs qui s'en sont séparés. Mais malgré ça, il a estimé qu'il a un devoir vis-à-vis de son pays. Il a vu qu'en réalité, le pays avait des opportunités pour se développer au profit de l'ensemble des populations. Mais seulement, c'est certaines personnes ou des intérêts personnels qui empêchent le développement dans ce pays en manipulant les décideurs, en manipulant les gens. Il a décidé de se lancer en politique.
pour pouvoir effectivement apporter toute sa contribution au développement économique et social pour la majorité des Guinéens. Il a fait en politique, il a fait ce qu'il a pu, il s'est battu, il a pris des risques, il a pris des coups, il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi. Depuis le président de la Sénacolté, attention, ça, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis 2000, je me souviens, pour les élections locales de 2000, on a été gazé à notre siège, on a perdu des militants à Bokeh. On oublie ce combat que, là, ça, que le président Sidi Touré a mené depuis de longues dates. Pas pour lui-même, mais pour les populations guinéennes. Il veut aller tranquillement aller dans sa plantation, à construire sa maison et à faire ses vacances à la Gidja ou je ne sais pas, n'importe où dans le monde. Il avait cette capacité. Il oublie tout ça. Il laisse sa famille. Il vient se battre des Guinéens. Et on veut nous humilier. On veut humilier un homme comme ça. C'est les larmes aux yeux quand je parle de Sidi Touré. Ce monsieur, après, il rentre en politique, il fait sa campagne. Il est évident qu'en 2010, il avait des chances d'être au pouvoir. Il y a eu la manifestation, il a continué. En 2015, il y a eu des élections, il a participé. Mais en 2015, quand des amis communs à Alpha Condé et lui ont estimé que le premier mandat du président Condé n'était pas satisfaisant, ils ont proposé à l'Alpha Condé de se faire accompagner, de se faire aider par Sidi, parce qu'on connaît sa capacité. En dehors de tout ce qu'il avait subi, il a dit bon, c'est le pays, il a toujours regardé le pays. C'est pour cela qu'il a accepté le poste de haut représentant du chef de l'État. J'en suis témoin parce que je l'ai accompagné là-bas. Des propositions concrètes dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie, ont été analysés, étudiés et proposés. Mais bon, encore une fois, on ne peut que proposer et donner des conseils. Si celui qui reçoit les conseils ne les exécute pas, ce n'est pas sa responsabilité. Il a décidé de se retirer. Il a démissionné. La Guinée doit beaucoup à Sidi Touré, si on est honnête. Si c'est sur la base de critères objectifs, si c'est par rapport au mérite, si c'est par rapport au patriotisme, Sidi n'a de leçons à recevoir de personne. Même une décoration, Sidi n'a pas eu droit à une décoration malgré tous les services rendus à la République. On décore n'importe qui, on donne des distinctions à n'importe qui, mais il n'a jamais dit ça. Mais malgré tout, il a continué à se battre. Il a continué à se battre jusqu'au bout. Il a pris des risques. Le 28 septembre, on a failli le tuer. Déjà oublié ça. Mais pourquoi? Pour la démocratie. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour son intérêt personnel. Il a combattu Alpha Condé pour des questions de valeur et de principe. Il aurait très bien pu aller avec lui. Il n'y a pas des propositions que Alpha n'a pas fait à Sidi. Tout le monde le sait. Mais à chaque fois, il a gardé sa réserve parce qu'il dit avec lui, ça va être difficile. Maintenant que le CNRD arrive, c'est les hommes comme ça qu'il faut quand même magnifier. Il faut regarder le parcours de chacun. Le CNRD a la possibilité d'avoir des informations précises sur tous les hommes politiques de la Guinée. Encore une fois, comme je l'ai dit, la responsabilité pénale, la responsabilité politique ou administrative, elle est individuelle. On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique dans ce pays. On sait ce que chacun a fait. On n'a qu'à juger sur les actes posés par chacun d'entre nous, en particulier les hommes politiques. On ne peut pas imputer les échecs de Alpha Condé à la classe politique, à ses loups, à ses diables ou à quelqu'un d'autre. C'est Alpha Condé qui a décidé de gérer le pays comme il l'a entendu. Alors, vraiment, l'appel que je lance au CNRD, c'est de mettre en avant, comme ils l'ont dit, dans leur déclaration de prise de pouvoir, comme il apparaît au niveau de la charte de la République, je demande au CNRD de mettre en application le principe des valeurs, le principe du patriotisme, du service rendu à la Guinée. Sidi Touré est un digne fils de ce pays. Il a rendu d'éminents services à ce pays. Quand il y a eu le changement de pouvoir, sa première visite ici à l'Assemblée, c'était pour l'aider à renouer les relations avec le Fonds monétaire, gratuitement.
comme ça, par simple conseil. En passant, ce Bangoura l'a rappelé, tous les services qu'il a rendus, c'est bénévolement. Il n'a pas pris un sou. Je confirme aussi qu'au niveau de la représentation, il a dit « j'ai pas besoin de budget ». Je n'ai pas besoin de budget. Donc il a confié au président, dans son attenté, déjà à l'époque, en 84-85, attention, si vous devez renouer vos contacts avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, vous avez un des administrateurs du fonds qui est en prison. C'est un Wali Sangaré. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas aller vers eux en sachant que l'administrateur de la Guinée au fonds est en prison. Libérez-le, si vous voulez, tout de suite. Et nous, après, on va monter avec nos amis au Fonds monétaire, vers Alassane Ouattara, tous nos amis, on va aller battre la campagne toute la Guinée pour nous des bons rapports avec le Fonds monétaire. C'est ça la réalité. Il n'a pas besoin de proclamer tout ça. Mais nous qui avons été témoins, il faut qu'on le dise. Je demande vraiment au CNRD, au président Doumbouya, de revoir sa copie. Sidia mérite tout le respect nécessaire pour un patriote. Il ne demande aucun privilège, il ne demande aucune faveur. On le juge sur ses actes, rien que ses actes. Je vous remercie. Vive le frère ! Vive le frère ! Vive le président Sidia Touré ! Ensemble nous vaincrons. Après cette déclaration du Premier ministre, amen. Le ministre Boubacar Baï, je suis confus entre la calme et la souplesse. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, personne ne peut dire mieux sur Sidia Touré. En Guinée, on aime éteindre les valeurs. En Guinée, on aime éteindre les références du pays. Et après, on va dans tous les sens. Quand on dit que ce pays ne se développe pas, tenez-vous bien, c'est parce que les valeurs de la République ne sont pas réunies. C'est les troubadours de la République qui sont considérés. Les valeurs de la République qui sont considérés. Anou Mounié dit, et n'a pas la barga. Asaya lui dit, à école dit, Mangasa et Rakobini. Après la rampine par la foudre, Sidia Fabé, Araouani Koui, le Rokiré, Mangasa et Rakobini, Ama Togo Salerba. En tant que premier ministre, Amoutou, Mangasa et Rakabia, Ama Togo. La présidente de la République n'a pas la Guinée engagée dans le pays de l'État. N'a pas eu un maçon de Togo, mais il y a eu un Libéria. N'a pas eu un maçon de Togo, il y a eu un Sierra Leone. N'a pas eu un général Lassana Conti. N'a pas eu un guerre qui s'est fait. Avant le décret signé, la Guinée qui est ma belle. Il de la main à contester. Avant il peut être plus de ma contester pour soi. La Guinée mangue. Vous m'avez dit, forêt priée.
La Guinée en Assyrie. Na amba la komba raba Algérie. A komba raba Guinée-Bissau. Angola. Mozambique. Ranambara, fille de la Guinée Mangera, qui t'a mis à mon nom, pour soi, pour le soi, pour le soi. Parce que peu dans la politique, à ONG dans la vie, à la Ranarana par le premier ministre, à la Kouana Kana, le conseil du gouvernement, à la Célesti, Centre d'études et de la recherche économique et sociale. Mohamed Tarn, Noël, Madame Bibouna. Et nous, à sur politique. Mais quand on va parler, on a eu à vous café, il y a des délais de CBP, quand tu es mené trouvé, qui est mouvé, qui politique, il a mouvé, pour faire la mer, pour que vous gassez là, à ce qui n'a pas. Pendant que le colon, la Guinée, quand on mouvé, quand on mouvé, il faut les pour lui m'appeler à Sinamouna. Pour en être comprendre. Parce que les gars, et ma pile fait. Toto, vous saurez rentrer dans la vie. Réatoumé. Je vais manger Singé. Je vais avancer à côté. Na acte ne veut plus tomber. Hier on a mené la mabelle. Et moi, on va faire toutes ces conventions baradabées. Donc si tu es mal, et pas la poche cana. Pendant les 11%, et la table canapé. Et on m'a copié une pour vous sauver. Et on y a une sauvée. Et si on y a une sauvée la guerre. N'attends mon fana. La sana rata. La Guinée mon aïki. En avant n'a pas. Il n'a tout radio privé dans la Guinée. La sana. Il n'a même démocratie, parti politique. La sana n'a. Il n'a même libéralisme. La sana compte n'a. Il banque privé pour la Guinée. La sana n'a. Il trouve qu'il est tôt. La Guinée. La sana n'a. Quel bébé voudrons-nous dans la bébé?
Mamou Labi. Quel fait Mamou Hansigiri Goudoumouna. Quel fait Mamou Hansirekore Goudoumouna. Quel fait Konakri Hanpoche Goudoumouna. Ça, ça arrive, ça, ça. Il méritait même que l'État lui donne des vêtements, des quelques corps, des maisons. Le sécurise tout ça. Parce qu'il n'y a rien à parler. Personne n'a pu. Le secret. C'est pas le seul secret que ça s'en a pris. Il y a des fonctionnaires pour lesquels là ça n'a pris des décrets. À qui fait à la tombe à Toya. Il y a des décrets, mais pourquoi c'est Sylvia? Pourquoi Sylvia? Je voulais tout simplement dire, il y a eu des rumeurs qui ont couru. S'il vous plaît, au-delà de vous. Il y a eu des rumeurs qui ont couru. Que soi-disant, que nous sommes en train de faire circuler de l'argent, mobiliser les femmes, mobiliser des jeunes, contre ceux qui sont venus qu'on a soutenu tout ça. Je vais dire quoi? Ils n'ont qu'à se rassurer. L'UFR est une force tranquille. Si on veut faire ça, on ne se cachera pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, on estime qu'ils vont revenir à la raison. Comme a dit M. Barry Boubacar, les a interpellés. Ils vont revenir à la raison pour faire les choses comme ça se doit. Caramara, si tu appelles Sylvia Roy, Loua Kamou Jérémy, Justice Kamouna Falami, Ita Sika Pia Roy, il n'a pas été logé par la porte, Bandia Nanaki. Ça y est, Bandia Nanaki. Je vais vous dire, on n'est pas préparé pour faire des manifestations. On n'est pas préparé. Nous, on est prêts. Nous, on est suffisamment prêts. Mais on n'a pas montré les muscles pour dire qu'on est prêt. C'est qu'on veut que la justice soit faite. C'est qu'on veut qu'on respecte les honneurs, qu'on respecte les personnes honneurs de Sylvia. Qu'on respecte Sylvia. Il est une référence. Il est pour nous un symbole. Il est un symbole. Tout ce qui se passe, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe dans la vie. Tout ce qui se passe, on a toutes les informations. Pour les coups tordus, on a toutes les informations.
tout ce qui est mal ficelé, on a toutes les informations. Il y a 3-4 jours, c'est l'argent qui circulait à Kaloum. Pour demander aux jeunes de Kaloum de soutenir quelque chose, mais on a poussé, on a transitionné. On est dans une transition. On est à 6 mois de la transition. On n'a touché aucun dossier pour la transition. On est incapable de savoir qui sont ceux-là qui sont du CNRD. On met colon. Il y a un Pumba. On met colon. Tout cela se pose comme problème. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti hier, après quelques jours, pour demander aux gens de la cité ministérielle de quitter. Ça, c'est le CNRD qui a signé le communiqué. Mais comme ils ont senti que c'est compliqué, ils sont passés par le gouvernement pour dire un conseil de ministres s'est réuni, a décidé que la cité ministérielle sera gérée au cas par cas. Vous êtes brantanique. Mais d'accord, il nous prenait ton collet avant la guerre et la mouvement. Je vais vous présenter un jeune militant venu de Paris qui est un des communicants, vraiment communicants du parti. Il va enlever sa main, vous allez le voir. Adi Akamara est venu nous saluer à notre ciel. Merci. Alors pour finir, je vais dire ceci. Comme a dit Boubacar Bari, on demande aux colosses lieutenant colonel Doumbouya, je reprends la main. Les gens qui sont autour de lui ne sont pas tous ses amis. Les actes qu'il peut prendre des fois, c'est les mêmes qui sortiront demain pour dire qu'ils ne comprenaient rien, on l'a laissé faire. Je dis de faire attention. La Guinée est profonde. C'est un état profond. Il y a eu des personnes qui sont décédées ici. Il y a eu des tués ici. Beaucoup de sang versé sur les rues de Conakry et à l'intérieur du pays, à Zérékoré, à Cancan, partout. Ce sang versé ne sera pas vain. C'est des sacrifices pour le bien de tout un peuple. Quand vous cherchez à faire des combines autour de ça, vous vous cassez la figure. Ne rentrez pas dans ça. Jouez votre rôle. C'est aux politiques de faire la politique. Quand vous entamez la politique, ça c'est notre milieu, on le comprend mieux que vous. Mais il y a des gens qui ont une connaissance livresque, qui sont autour de vous, qui sont des théoriciens de lecture, qui ne connaissent pas la pratique et qui vont vous induire en erreur. C'est un conseil que j'ai donné à Alpha, mais il n'a pas compris. J'ai dit de faire attention, son entourage est pollué de personnes qui vont l'enterrer. Et ça n'a pas raté. Je dis encore à Colonel Doumbouya, aujourd'hui je prends date. Pour dire que ce que j'ai dit là, c'est comme ça que ça va se passer. S'il ne prend pas garde, s'il ne se rectifie pas, s'il ne considère pas les valeurs, s'il ne considère pas des symboles comme Sidia, s'il ne les respecte pas, il va se taper au mur. Et ça sera très grave. Et il sera seul dans cette affaire. Aucun qui le pousse à ça ne sera avec lui. Et qu'il soit clair. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de ce pays. Que les actes qu'il pose, d'autres ont posé auparavant, ils n'ont pas changé. Ce n'est pas à lui de changer ses actes,
des chefs d'État qui se sont succédés à lui. La deuxième chose que je vais dire au colonel, la route de l'histoire est en train de tourner. Il a eu une opportunité incroyable. Venir tardivement dans l'armée. Avoir des galates, des grattes de façon éclair. Jusqu'à devenir lieutenant-colonel. C'est une chance. Et maintenant arriver à être président. C'est la chance exceptionnelle qu'il a. Mais quand Dieu te donne tout ça, il faut faire attention. Parce que c'est trop rapide. Et quand c'est trop rapide, ça risque d'être très grave à faire. Alors je veux éviter ça. En lui donnant ce conseil, de faire très attention. Ne touche pas au symbole. Ne touche pas à la valeur. Ne touche pas à Sidia. Ne retouche pas. Ne touche pas à Sidia. Il vient d'apporter la preuve une fois de plus qu'il connaît bien le président Sidia Touré. Et dans le même temps, il vient de démontrer qu'en Guinée, on n'aime pas les valeurs. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir. Parce qu'un pays a besoin de repères, un pays a besoin de locomotives, un pays a besoin d'une élite de qualité. Et malheureusement, en Guinée, on combat toutes ces choses-là. À sa prise de pouvoir, le colonel Doumbouya nous avait dit ici que la boussole allait être la justice allait être la boussole de la transition. 5 mois après, 6 mois après, on se rend compte que la boussole est cassée. Quand on observe les agissements du CNRD, on écoute les discours, on a l'impression qu'ils sont égarés. Il faut remettre la boussole en place. C'est une période d'exception, c'est une période de transition. On ne peut pas, pendant ce temps, prétendre développer la Guinée. Ce n'est pas possible. Pendant cette période, partout dans le monde, il y a des missions claires, des priorités qui sont connues. La première d'entre elles, c'est l'organisation des élections, renouée avec l'ordre constitutionnel. Ceci est extrêmement important pour au moins 2 raisons. La première raison, si on n'est pas dans un cadre institutionnel normal, si on n'a pas un régime démocratiquement élu, on est privé d'un certain nombre d'investissements. Et les privés ne viendront pas investir chez nous. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est tout aussi fondamentale, c'est qu'en période d'exception, les citoyens sont moins bien protégés. J'en veux pour preuve la manière dont on gère les grands dossiers en ce moment. À commencer par le dossier de la récupération des domaines de l'État. C'est une opération sans limite, sans méthode et qui met tout le monde en danger. Mais sur ce point précis, il faut quand même qu'on s'interroge. Comment se fait-il que le colonel accorde un traitement dérogatoire à une zone? Il faut que chacun s'interroge sur ce point précis. Pourquoi allons-nous considérer qu'au niveau de la cité ministérielle, il faudrait traiter au cas par cas? Et pourquoi ailleurs, on crée un amalgame extraordinaire? La transition commence à déraper, il faut qu'on se le dise. On avait acclamé l'arrivée, aujourd'hui on est plus qu'inquiet. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, notamment au Burkina,
on se rend compte que si on veut bien faire, en 6 mois, les lignes peuvent bouger. En 6 mois, on peut réaliser un certain nombre de choses. En 6 mois, on peut aller plus vite vers l'organisation des élections. Puisque au Burkina, en 10 jours, on a sorti pas mal de documents. Il y a une visibilité très claire sur la suite de la transition. Je voudrais, par rapport à ces préoccupations liées au déroulement de la transition, vous informer que demain, dimanche, arrivera au Conakry une mission conjointe qui sera présidée par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui s'est ajoutée à la délégation après. Et cette délégation sera composée, entre autres, du représentant régional du secrétaire général des Nations Unies et de M. Jean-Claude Brou, qui est président de la commission de la CDAO. Elle arrivera demain et rencontrera les différents acteurs le lundi. Elle vient pour essayer de recadrer les choses, parce que tout le monde sent bien que la transition est en train de dérailler. Et je voudrais aussi relever un point qui nous concerne tous. La vie au quotidien ne s'améliore pas pour nous. On entend des choses venant des dirigeants du CNRD. C'est à eux de dire si c'est vrai ou faux, mais on entend beaucoup de choses. Des acquisitions de 20 milliards, des acquisitions ici et à l'étranger. On entend tout ça, des immeubles qui sortent de terre. Tout ceci ne nous échappe pas vraiment. Il faut aller vite vers l'essentiel. Avant de terminer, je voudrais revenir au début de mon propos. Je voudrais proposer à la cellule de communication de l'UFR d'enregistrer l'intervention du vice-président Boubacar Bari et de la communiquer au colonel Doumbouya. Parce que, visiblement, il ne sait pas qui est Sidya Touré. Il faut que cette intervention lui parvienne, qu'il l'écoute et qu'il la fasse écouter au CNRD. Mais d'ailleurs, c'est quoi le CNRD? Jusqu'ici, pour nous, c'est une partie vide. Il n'y a qu'un seul visage connu officiellement. C'est celui du président du CNRD. Or, la composition du CNRD est un élément essentiel pour que la transition soit conduite conformément à la charte. Parce que, par rapport à la durée de la transition, la charte dit clairement qu'elle sera fixée de concert par le CNRD et les forces vives. À aucun moment on ne dit que la durée sera fixée par le CNRD. Or, aujourd'hui, les discours que nous entendons tendent à nous faire croire que c'est au CNRD que la durée sera fixée. On dit non à cela. Il faut qu'on ait la composition du CNRD. Et ensuite, on mettra en face du CNRD les forces vives. Et là aussi, il conviendra de définir le contenu de ces forces vives-là. Donc, qu'ils arrêtent de nous entraîner sur de fausses pistes. Le CNRD est un organe sous contrôle, majoritairement, c'est contrôlé par le CNRD. On le savait dès le début. Et la preuve a été donnée lors de la première séance de travail. Toutes les questions un peu difficiles ont été soumises au vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris les précautions à l'avance pour s'assurer qu'au vote, ils sortiront toujours vainqueurs. Donc, je voulais porter ces éléments-là à votre connaissance et vraiment, je tiens à ce que cette intervention soit transmise au colonel Doumbouya. Merci pour votre attention. Merci. Ce qui a été dit, soit disant que le CNRD ne se reculera pas face à la récupération des domaines.
Mais je veux dire ceci aux membres de CNRD et au président. Tous les hommes forts se sont reculés face à des situations difficiles. Seulement les hommes forts ne se reculeront pas. Seulement les hommes faibles. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam s'est reculé. Lorsqu'il a envoyé la Mecque, ce jour il avait la force. Il s'est reculé pour ne pas qu'il y ait plein de sang. Là, c'est le contexte reculé ici en 2006-2007. Malgré que le poste de Premier ministre n'était pas dans la Constitution, ne voulait pas que le sang de Guinée coule, il s'est reculé. Vous avez vu Macky Sall qui s'est reculé tout dernièrement là pour ne pas que le Sénégal sombre. Et si nous voyons les hommes qui sont censés pour nous diriger aujourd'hui, nous disent qu'ils ne vont pas se reculer, sachez que nous sommes sous une menace. Et devant qui? Devant les Syriens. Donc nous allons dire ceci. Nous aussi, au niveau de l'UFR, la jeunesse de l'UFR, nous sommes derrière la justice. Je vous dis encore. Mais face aux ministres, les forces, ceux qui sont censés de nous montrer leurs ministres, leurs forces, soi-disant que avec leurs forces, ils peuvent nous déloger. Nous allons leur dire que nous allons nous reculer face à la justice, mais face à la force, jamais nous n'allons pas nous reculer. Donc, nous demandons à ces gens, seulement, ce n'est pas une question de maison, les gens parlent de maison, c'est pas ça. Mais l'essentiel est là, ils sont là à nous détourner sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Ils sont là pour organiser des élections. Ça fait 6 mois, rien ne fait, aucune visibilité. Où nous en sommes? Ils n'ont pas à nous faire les situations réelles qui sont l'organisation des élections ou la mise en place d'un cadre de dialogue. D'abord, la mise en place d'un cadre de dialogue. Mais l'opposition est mise à l'écart. Les partis politiques sont mis à l'écart. Ceux qui sont censés demain pour diriger ce pays sont mis à l'écart. C'est des petits, des clans, je vais dire des clans, des personnes qui ne sont pas connues, qui sont là à diriger le pays. Il y a d'autres même qui sont là, dans l'ombre, on ne les connaît pas. Il faudrait qu'on nous fasse maintenant un calendrier pour l'organisation des élections. Si cela n'est pas fait, ce que la loi nous recommande, ce n'est rien d'autre. C'est la manifestation. Nous allons pousser ces gens-là pour qu'ils fassent les élections. Je vous remercie. Thank you.
nous sommes de la tradition. Là, cette tradition, on a la et si tu as la parce que, Ne touche pas, Sidia. Ne touche pas. Ne touche pas.